Mes sentiments par rapport à la situation qui s'est à Tinzawatine sont à la fois des sentiments de peine, mais aussi des sentiments de réconfort et voire d'espoir. Quand je parle de sentiments de peine, c'est par rapport d'abord à la situation actuelle qu'elle est déplacée. Elles sont en situation toutefois indépendante par leur volonté. Et cette situation est la résultante un peu de la situation sécuritaire au Nord-Mali. Cette population qui, selon elle, a fui de chez elle sans apporter quoi que ce soit de ses biens, surtout que si l'on sait que c'est une population qui vit de l'élevage, les animaux sont restés, tout ce qui se trouve dans les maisons. C'est resté sur place. Donc, cette population fait de la peine parce qu'elle se retrouve à la frontière avec l'Algérie sans abri, sans vivre. فلا سا ورتي لا هرتي بيلو فو هركو قسم دي قال وارغ انا تبارك الله جنك قسم شاكل ولا سن جنك تسيم دي ان جارت ما غور مسير غي شمال غوا هن يعرفو اسي هم خنا سالم من دي مشاكل دي غور وتا يوال ان شاء الله دونك راه غي تل غير مر ما شال انك ادينا الدغل غالم ده غرد نسل دي كما شال انك ادينا دونك دغا 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 ما شال يا يا العالم غرد ني شو دادي كي دغا دغا Par rapport à la communication, nous avons doté tous les SESCOM à Nérigio. Et nous avons un VESAT uniquement pour la connexion. Et nous avons un BIGAM. En cas de problème sur le VESAT, on utilise le BIGAM. Et nous avons des TORIA parallèles aux Nérigio. Par contre, nous avons quand même essayé de voir. Par rapport aux autres sites qui sont un peu distants, soit Itamileni qui est à 5 km de Harabon, et puis le site d'Inapayara qui est à pratiquement à 10 km. J'éviterai peut-être les uns les autres à la regarder plus tard pour voir exactement de quoi il s'agit. Ça, c'est un témoignage très fort. Donc, sentiment de réconfort toujours parce que nous sommes toujours prêts à continuer à appuyer la population, nous sommes prêts à l'assister chaque fois que le contexte. Le permet. Et nous sommes toujours aussi prêts à développer des stratégies, quel que soit le contexte qui est là, parce que notre objectif, c'est l'humanitaire, c'est d'assister les populations. C'est dans le même encore ordre d'idée que nous sommes actuellement dans une logique aussi d'apporter des soins à la population de Talandak, encore vers la frontière avec Timayawi, une ville aussi de l'Algérie. Cette population aussi est très importante et elle est سيها دهركو كي يتنطب لك ايوه تي هي وين ايوه تي هي مراتي برالين هي تي فوتي هي تيها تي هي دا تي نغف سنة تتبرالين دغف اللي كم يكمار فاهم الدوام يا انتو كان الضر ويسا ايوه غرف ما نتي بو ودي اخصابا كلا كلا نكن اضيس فرانوي نواي تن اللي يدي نت بيتن الضرر نين يلقي وين دادي نت ويدفوقت نين تن الله سدنا الكام فجأة سني سفران ورين جين شي سفران صغر وعلم هواني ان انا اغرف ان تسبو ورنزم ورنزم هي سفراني ولا غني ان شاء الله اما را تجا سنتي سيغا استها منا ان شاء الله كما نفوه Donc, j'ai un sentiment d'espoir parce que de toutes les façons, cette situation, elle est vécue pour l'instant. Il nous reste juste à continuer à appuyer la population pour qu'elle se retrouve un peu déstressée. Et je crois bien que la population dit qu'elle souhaite retourner.